Alors depuis quelques mois ici, en tout cas, à Lorient, nous sommes en train d'enseigner sur accéder à un niveau supérieur. Donc le thème de cet après-midi va aller dans le même sens. Accéder à un niveau supérieur. Il a été dit une chose que l'aspiration de Dieu, c'est que le ministère d'une manière générale puisse commencer à opérer avec une nouvelle révélation, une nouvelle connaissance. Un nouveau niveau. Dis à quelqu'un un nouveau niveau. Amen. Alors vous savez, il y a quelques temps, je parlais avec une personne et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, la finalité de notre dialogue finissait toujours par les mêmes réponses ou la même pensée. Au bout d'un moment, on peut connaître une personne lorsqu'on a l'habitude de rester en contact avec cette personne. Alors on pouvait parler de tout. On parle d'habits, on parle de projets, on parle d'aspirations, on parle de famille. Mais la finalité de notre échange ou de ce que la personne pouvait dire était constamment orientée vers la même chose. Je prends un exemple. Je dis à cette personne, bon, je pense que très bientôt je vais prendre l'avion pour faire un voyage. La réponse de la personne, c'est « Fais attention. » Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'avions qui s'écroulent. Bon, quand vous entendez ça la première fois, vous dites « Bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être anodin. » Puis tu lui dis « Bon, bon, puisque c'est pas bon de prendre l'avion, je vais prendre le train. C'est plus pratique, on est au sol, comme ça je vais arriver à la destination. » Et la personne commence à me dire « Mais tu sais, hein, SNCF fait beaucoup la grève. » Donc quand je décide de prendre l'avion, la personne me présente qu'il peut avoir un accident. Et il y a beaucoup d'accidents actuellement. Je lui dis donc je vais prendre le train. La personne commence à me dire si tu prends le train, il risque d'avoir la grève, c'est compliqué. En fait, à chaque fois que je pouvais parler avec cette personne d'une situation, son langage était constamment orienté vers la même chose. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais nous parler sur accéder à un niveau supérieur en maîtrisant et construisant nos pensées. Accéder à un niveau supérieur par la maîtrise et la construction de ses pensées, par la maîtrise et la construction de ses pensées. Lorsqu'on parle de pensée, on parle ici de parole. Une pensée est une parole, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Lorsqu'on parle de la parole, on sait que derrière chaque parole, la parole a la capacité de créer un monde. Toute parole, lorsque la parole est libérée, la parole a la capacité de créer un monde. La Bible dit ceci dans Colossiens, que tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans la parole. En fait, la parole est producteur de monde. La parole est une semence qui amène un monde à émerger. Et la pensée est une parole qui est invisible. La pensée est une parole qui est silencieuse. La pensée est une parole qui est privée. La pensée est la réalité de ce que nous sommes. Aujourd'hui, on est tous assis, mais si Dieu commence à nous révéler les pensées de tout un chacun, on peut être surpris. Parce que la pensée nous est propre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est privée. Je dirais même plus que la pensée est notre meilleur ami. Alléluia. Parce que nous parlons avec nous-mêmes. La pensée nous connaît mieux que notre voisin, même mieux que notre épouse ou notre ami. Parce que lorsqu'on parle avec les gens et tu peux savoir toi-même que en réalité les gens ne te connaissent pas comme toi-même tu te connais. Alléluia. Parce que personne n'a accès à tes pensées si ce n'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne n'a accès à tes pensées si ce n'est Dieu. Alléluia. La pensée aussi, non seulement la capacité de nous permettre d'être dans une discussion personnelle, interne, c'est notre monde intérieur,
Mais la pensée a la capacité de briser les barrières du temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis que la pensée a la capacité de briser les barrières du temps. Aujourd'hui, on est en 2017, mais certains se sont arrêtés en 2002 ou en 98. C'est là la puissance de la pensée. La pensée brise la barrière du temps. Vous pouvez vivre en 2017 comme en 98-99. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Alléluia! Amen! Et la pensée a la capacité, bien aimé, de travailler. Elle a la capacité de transporter un pays, de transporter des expériences avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Accéder à un niveau supérieur par la maîtrise de ses pensées. Qu'est-ce que c'est la pensée si ce n'est la parole invisible? Qu'est-ce que la pensée si ce n'est une parole qui a la capacité de nous orienter quelque part? Qu'est-ce que c'est que la pensée sinon la capacité de nous donner des informations de notre environnement et même de nous-mêmes? Alléluia. Et la personne avec qui je parlais, je pouvais comprendre quel type de personne était. Vous pouvez marcher avec quelqu'un et comprendre au bout de quelques temps par où cette personne est passée. Vous pouvez vous approprier, comprendre l'histoire d'une personne en restant en contact avec cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Et vous savez, dans le texte que nous avons pu lire ici, c'est que Dieu donne une parole à Abraham, mais Abraham refuse directement cette parole. Et de la même manière, j'étais en contact avec cette femme. Et cette femme-là, le différent langage qu'elle avait était constamment influencé par la même chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La pensée est une parole invisible. La pensée est une parole interne. La pensée permet de créer notre monde. Quel est ton monde? Parce que tu as créé ton monde en fonction de tes pensées. Alléluia. Alléluia. Maîtrise. La maîtrise, c'est la capacité de dompter, de contrôler, de garder, la capacité de régner. Tu ne peux pas accéder à un niveau supérieur si tu ne sais pas maîtriser tes pensées, les contrôler, dicter le rythme, dicter le mouvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu dois comprendre que si tu vas accéder à un niveau supérieur, il est important pour toi d'apprendre à maîtriser tes pensées, à orienter tes pensées là où tu as envie. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses pensées ne saura pas maîtriser sa destinée. Parce que notre destinée est influencée par la pensée. Alors, si je veux accéder à un niveau supérieur, je dois comprendre comment maîtriser mes pensées. Vous savez, il y a certains secteurs de la vie où il est très important de pouvoir maîtriser les choses. Sinon, la situation peut être chaotique. Si un pilote d'avion ne sait pas conduire son avion, beaucoup de gens vont mourir. Si quelqu'un décide de prendre une voiture et n'ayant pas la capacité de conduire, de bien conduire cette voiture ou la maîtriser, cette personne peut non seulement mettre fin à sa vie, mais mettre fin à la vie des personnes qui sont avec. Alléluia. Pour dire simplement, il y a certains domaines, il y a certains secteurs que nous devons maîtriser, sinon nous allons expérimenter des conséquences dramatiques. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs plateformes comme ça dans la vie où il faut maîtriser. Il y a plus fort, il y a plusieurs domaines comme ça dans la vie où il faut contrôler. Il y a plusieurs secteurs comme ça dans la vie où il faut contrôler. Parce que si on ne contrôle pas, on risque de se faire mal. Si tu ne sais pas conduire, n'essaie pas de conduire. Si tu ne sais pas piloter, n'essaie pas de piloter. Sinon ça peut être dramatique pour toi. Et de la même manière, nous devons contrôler nos pensées. Parce que nos pensées, c'est un secteur indispensable pour avancer. Quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses pensées ne pourra pas avancer, progresser, exceller. Là, ton voisin maîtrise tes pensées. Il y a quelqu'un qui maîtrise tes pensées. Alléluia, maîtrise tes pensées. Tu dois les maîtriser. Si tu ne les maîtrises pas, les choses peuvent être compliquées pour toi. Et je vous assure, beaucoup de gens ne maîtrisent pas leurs pensées. Or, les pensées ont un impact dans notre vie, ont un impact dans notre destinée. Les scientifiques ont dit ceci. Chaque jour, un homme a la capacité d'avoir plus de 60 000 pensées. Dis à quelqu'un 60 000 pensées. Alléluia. Il y a 60 000 pensées. Ça, c'est les scientifiques qui ont dit ça. Maintenant, la Bible dit ceci dans Genèse 6, verset 1.
que l'homme, depuis son enfance, ses pensées sont portées vers le mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne confirme pas la science, c'est la science qui confirme Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia, Dieu n'est pas là en train de confirmer la science, mais c'est la science qui doit simplement consolider Dieu. Parce que Dieu est avant toute chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois les gens disent, oui, la science dit ce ça, les philosophes disent, Dieu a déjà parlé avant le commencement, et il y a plusieurs choses qui ont déjà été abordées, et le monde vient simplement consolider ses réalités. Oui, il était dit dans Genèse que le cœur de l'homme était constamment porté vers le mal. Ça veut dire, la quantité des pensées de l'homme était constamment orientée vers ce qui n'était pas en conformité avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'altitude est influencée par l'attitude, je dois comprendre donc que mes pensées sont très importantes. Si mon attitude détermine l'altitude dans laquelle je dois aller, je dois comprendre que mes pensées sont importantes. Parce que mes pensées vont influencer sur mon attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attitude est influencée par la pensée. Si je veux opérer dans l'altitude, en hauteur, à un niveau supérieur, je dois donc comprendre que ma pensée va me garantir de hauteur. Souvent on dit ceci, oui bien-aimé, notre attitude va déterminer la hauteur. Notre attitude nous détermine si nous pouvons aller loin ou être bas. Mais la réalité c'est que notre attitude est influencée par nos pensées. Donc il est important pour nous d'investir dans notre pensée pour opérer dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Le Seigneur dira ceci dans Proverbes 23, verset 7. Car il est tel les pensées de son cœur. Il est tel les pensées de son cœur. Qu'est-ce qu'il dit, Proverbes 23, verset 7? Il dit simplement que ce que nous sommes est les réalités de nos pensées. Ma personnalité est le fruit de mes pensées. Je suis ce que mes pensées manifeste. Je suis les réalités de mes paroles invisibles. Aujourd'hui, je suis le résultat de mes pensées d'hier et il est possible pour moi demain d'être le résultat de mes pensées d'aujourd'hui. Et si je désire opérer dans l'excellence, atteindre un niveau supérieur, je dois donc comprendre qu'il est important pour moi d'investir dans mes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors vous savez, la société nous donne de pouvoir préparer nos enfants à réussir dans la vie. Voilà pourquoi on les met à l'école. Et il y a plusieurs choses mises en place pour que nos enfants, nous-mêmes, nous puissions réussir au travers des formations et toutes ces choses-là. Parce qu'on sait que si mon enfant ne trouve pas, ne progresse pas à l'école ou dans un élément associé à sa particularité, qu'est-ce qu'il fera demain? Et en tant que parents, nous sommes conscients et nous sommes prêts à mettre les choses en place pour que nos enfants puissent réussir. Parce que nous savons que c'est important. La connaissance est importante. Alléluia. Amen. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand nous avons la capacité d'investir dans la vie de nos enfants pour qu'ils puissent réussir, nous sommes capables de payer des profs pour les éduquer. Nous devons comprendre aussi que nous devons investir dans notre pensée. Alléluia. Parce que la pensée détermine là où on va. Alors tu te prépares à réussir dans ton école, dans ton entreprise. Mais comment tu te prépares à ça? Alléluia. Parce que la réussite de ces choses-là sont associées à ton niveau de pensée. À ton voisin, ton niveau de pensée. Alléluia. À ton niveau de pensée. La parole de Dieu déclare ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche... C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si lorsqu'on parle du cœur, on parle de la pensée. Il dit donc mon expression, ma posture, ma vision, la manière dont je peux entreprendre les choses, ce qui sort de moi est le résultat de ce qui est à l'intérieur de moi. Tu es le résultat de ce qui est à l'intérieur de toi. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Comment tes pensées fonctionnent? 60 000 pensées par jour. Comment tes pensées fonctionnent si tes pensées dictent ta manière d'opérer? Si les pensées dictent notre manière de faire les choses? Je dois donc comprendre qu'il est indispensable pour moi d'investir dans mes pensées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi?
Qui veut accéder à un niveau supérieur? Nous voulons accéder à un niveau supérieur par la maîtrise et la construction de nos pensées. Je dois maîtriser, contrôler, dompter. Mes pensées ne peuvent pas faire ce qu'il a envie de faire. Je dois être capable de soumettre mes pensées pour accéder à un niveau supérieur. C'est déterminant pour moi, ma famille, mes projets, ma vision. Je dois contrôler mes pensées. Amen. Et vous savez pourquoi il est important de contrôler ses pensées? C'est parce que simplement la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, que l'homme a été créé en trois dimensions, esprit, âme et corps. Amen. Et la pensée se trouve dans l'âme. Dis à ton voisin, dans l'âme. Dans l'âme se trouve la pensée. Amen. Et dans la pensée, il y a ce qu'on appelle le raisonnement. Alléluia. L'intellect. Amen. Tout ça se trouve dans les fonctions de la pensée, avec l'imagination. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la pensée se trouve aussi la mémoire et le souvenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dans la pensée, il y a l'intellect, le raisonnement, la mémoire et le souvenir. Ces choses sont là avec la pensée. Et il y a une autre fonction qui est l'imagination, que généralement Dieu utilise ces choses-là pour nous amener à rêver, à avoir des visions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pourquoi la pensée va influencer nos vies? Parce que Dieu a fait les choses en ordre. La pensée a la capacité de générer des émotions en nous. Et les émotions ont la capacité d'influencer notre pouvoir de décision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pense, je ressens, j'agis. Est-ce que tu peux dire je pense, je ressens, j'agis. Je pense, je ressens, j'agis. Je pense, je ressens, j'agis. J'ai 60 000 pensées, je ressens, j'agis. Je reçois une parole, cette parole est associée à un sentiment et ce sentiment influence mes actions. Je pense, je ressens, j'agis. PSV. PSV. Pensée, sentiment, volonté. Alléluia. Mes pensées agissent sur mon pouvoir de décision. Alléluia. Mes pensées agissent sur mon pouvoir de décision. Mon pouvoir de décision influencé par mes pensées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi il est important d'investir dans nos pensées, de les maîtriser. Parce que nos pensées vont constamment nous conduire à agir. Tu penses au passé. Tu penses à ce qu'on t'a fait. Tu penses comment on t'a trahi. Tu penses au mal qu'on t'a fait. Et cette pensée génère des émotions. Et ces émotions-là peuvent te paralyser. Tu penses, tu te rappelles. Voilà pourquoi j'ai dit que la pensée, elle traverse le temps. Amen. Parce que vous pouvez être en 2017 et encore ressentir ce qu'on a fait dans votre vie en 98. Et cette pensée-là paralyse votre destinée. Elle paralyse votre vie. Et vous ne pouvez pas accéder à un niveau supérieur. Je pense, je ressens, j'agis. Je pense, je ressens, j'agis. Je dois construire mes pensées, les maîtriser pour accéder à un niveau supérieur. Est-ce qu'Église, vous m'écoutez? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est très important. Lorsque je jouais au foot encore. Je me souviens d'une saison, il y avait une équipe qui surpassait le championnat. Alors, ils avaient gagné peut-être 5 fois déjà le championnat, titre. Le championnat de France, c'était Lyon. C'est un peu comme PSG maintenant. Lorsqu'on jouait contre ce type d'équipe, ils avaient un ascendance psychologique déjà. Alléluia. Parce qu'on savait qu'ils gagnaient chaque match. Donc, il y avait comme si quelqu'un, les joueurs étaient un peu paralysés. Parce qu'ils gagnaient tout le temps. Le temps de reprendre ses esprits, entre guillemets, il y avait déjà 2-0. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? En fait, ils avaient déjà gagné le match alors qu'on n'avait même pas commencé le match parce que simplement notre pensée était encore arrêtée à ce qu'ils avaient produit. Comme ils n'arrêtaient pas de gagner, ils n'arrêtaient pas de gagner, il était difficile pour nous de penser qu'il était possible de gagner. Donc déjà, psychologiquement, les émotions sont affectées, la course est affectée. Tu cours pour récupérer le ballon, mais tu sais qu'il va prendre le ballon avant toi, il est plus rapide. Alléluia. Oh, la vérité, c'est qu'il n'est peut-être pas plus rapide. Mais tes pensées se sont appropriées qu'ils étaient victorieux. Voilà pourquoi, en fait, ton corps ne fonctionne pas comme il faut. Pensée, sentiment,
volonté. Pensée, sentiment, capacité de décision. Je peux bloquer ma capacité de décision si je ne sais pas construire mes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis 2017, je dois contrôler mes pensées. Dis 2017, je vais maîtriser mes pensées. Alléluia. Dis 2017, je vais maîtriser mes pensées. Je vais maîtriser mes pensées. Je dois les maîtriser. Et je peux les maîtriser. Je peux les construire. Je peux alimenter d'une manière à ce que je vais pouvoir réussir dans la vie. Mais je dois comprendre que c'est un investissement indispensable. Beaucoup de gens dans cet endroit, vous êtes bloqués à cause de vos pensées. Vous êtes arrêtés à cause de vos pensées. Vous êtes constamment en train de penser que vous allez échouer. Vous êtes constamment en train de penser aux choses qu'on vous a fait et vous êtes bloqués. Devant les situations, au lieu de prendre courage, vous êtes maîtrisé par la situation parce que vos pensées sont arrêtées dans vos souvenirs. Et vous devez contrôler vos pensées pour commencer à avancer, progresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les scientifiques disent ceci, que 85% de nos pensées, des 60 000, sont négatives. Alléluia. 80%, vous avez 60 000 pensées. Et dans ces 60 000 pensées, 85% sont négatifs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne soyez pas surpris, la Bible le dit déjà. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que le cœur de l'homme est constamment porté vers le mal. Alléluia. Voilà pourquoi il dira dans Ézéchiel, je changerai son cœur de pierre et j'en ferai un cœur de chair. Parce qu'en réalité, la pensée de l'homme, elle est mauvaise. Alléluia. Et les gens ont découvert 85%. Il ne reste pas beaucoup. Alléluia. Comment tu veux triompher? Comment tu veux avancer? Comment tu veux progresser? Comment tu veux exceller si tu ne comprends pas qu'il y a 85% de tes pensées qui sont négatives? Tu ne peux pas avancer dans la vie comme ça. Tu dois comprendre ces choses-là pour réformer ta mentalité, tes pensées, accéder à un niveau supérieur. Parce que Dieu veut que tu accèdes à un niveau supérieur. Il veut que tu avances. Il veut que tu puisses progresser. Il veut que tu puisses exceller. Voilà pourquoi il te dit qu'il y a 85% qui doivent se convertir dans tes pensées en la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? 85%. Alléluia. Et on avance dans la vie comme ça. On pense que les pensées qu'on a, c'est des pensées, voilà, tout le monde a ça. En réalité, Dieu ne nous a pas créés pour avoir une pensée comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et de la même manière, lorsque vous êtes en train de parler avec des gens, lorsque vous êtes en rendez-vous, en entretien, je peux voir quelqu'un et dire, oh, franchement, tu es belle, mais tes lacets là sont compliqués. La personne va retourner chez elle, va dire, franchement, j'étais à l'église, pasteur m'a dit que mes lacets étaient compliqués. Pourtant, j'ai dit que cette personne était bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut dire, ah, mais franchement, je suis content de te voir, mais tu m'as manqué pendant une semaine, t'étais où? T'as pas donné de nouvelles. Mais je suis content de te voir. La personne rentre chez elle et dit, ah, franchement, je viens à l'église et ils disent quoi? Où j'étais? Alors que j'étais là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu crois, si tu reçois, acclame la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu es en train de dialoguer avec quelqu'un, tu fais un compliment à quelqu'un. Mais la réalité, c'est que ce que la personne retient, c'est quelque chose de négatif. Donc même des fois, lorsqu'on fait des entretiens, on doit faire attention au langage qu'on développe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur les choses négatives au lieu des choses positives. Il y a des gens qui regardent toujours les choses mal. Alléluia. Tu encourages la personne, tu l'exhortes, mais la personne regarde toujours les choses mal. 85%, dis 85%. Ces 85% amènent les gens constamment à s'approprier les choses négatives, les choses qui ne viennent pas de Dieu, les choses qui ne sont pas en conformité avec eux. Comment tu veux avancer dans la vie, accéder à un niveau supérieur si tu ne transformes pas, ne changes pas ta pensée, ta mentalité? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu dois apprendre à changer cette mentalité, sinon tu resteras constamment focalisé sur les choses qui ne sont pas bien. Quelqu'un te fait du bien pendant des années, cette personne fait simplement une faute, c'est fini. Elle est mauvaise, il est mauvais, c'est un sorcier, c'est un menteur, c'est toutes ces choses-là. On déclare ces choses. Pendant toutes ces années, il t'a béni, elle t'a béni, il t'a fait du bien, il t'a encouragé. Toi, tu retiens quoi? Cette situation? Oh, ils sont mauvais là-bas. Oh, vraiment.
Ils sont pas gentils, mais tu as oublié les 5 autres années. Amen. 85%. Bien quelqu'un, 85%. Alléluia. Les gens oublient, se focalisent simplement sur ce qui est négatif, sur ce qui est mauvais. De la même manière, je vous assure, dans une église, quelqu'un va partir, 10 personnes vont venir. On va dire, oui, les gens commencent à partir. Oh, il y a 10 personnes qui sont arrivées. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Et les gens fonctionnent comme ça. Quelqu'un va expérimenter la guérison divine ici. Mais propager cette nouvelle, dire aux gens, oui, ici il y a la guérison divine, et il y a la guérison divine. Beaucoup de gens sont guéris dans ce ministère. Beaucoup de gens avancent dans ce ministère. Mais bizarrement, cette nouvelle n'est pas répandue comme les choses négatives. Alléluia. On est plus à transporter des choses mauvaises que des choses bonnes. La nature de l'homme. Alléluia. Change tes pensées. Change ta destinée. Maîtrise tes pensées. Construis tes pensées. Et accède à la hauteur. Parce que Dieu te veut en haut. Dieu te veut en haut. Mais tu dois apprendre à construire tes pensées. Tu dois apprendre à regarder là où il faut. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? C'est terminé de tout le temps regarder les choses négatives et de cultiver ces choses. Tu dois commencer à changer ta perception et te focaliser sur les choses bonnes et avancées. Est-ce que quelqu'un m'entend? De toute manière, les gens qui avancent dans la vie, c'est les gens qui savent s'approprier les choses qui sont excellentes. Toi, tu restes avec le négatif, mais lui se focalise sur ce qui est bon. Il avance. Il avance. Parce que j'aimerais vous dire, de toute manière, l'homme n'est pas parfait, il aura toujours des défaillances. Mais dans son imperfection, il y a aussi un caractère divin sur lequel on doit se focaliser et avancer. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'homme pense comme ça, l'homme pense d'une manière négative. Il regarde simplement les choses compliquées. Propagez la bonne nouvelle. Allez dire que les hommes sont changés. Allez dire que les familles sont réconciliées. Allez dire que les gens sortent de la dépendance. Allez dire que les gens sortent de l'alcool. Allez dire que les familles sont bénies. Allez dire que les gens sont en bonne santé. Allez dire que les gens sont heureux. Allez dire que les gens marchent dans la paix. Allez dire que les gens marchent dans la joie. Allez dire que les gens sont heureux. Allez le déclarer, allez le dire. Propagez cette bonne nouvelle. Ne fais pas partie de ces personnes qui sont constamment en train de parler négativement. Fais partie de ces personnes qui arrosent ce qui est bon, ce qui est excellent, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Alléluia. J'étais choqué quand j'ai commencé à voir ça. J'ai dit 85%. La plupart des gens propagent des choses. Amen. Vous savez, des fois, vous allez au médecin. Le médecin vous dit, vous êtes malade, vous allez mourir, vous commencez à crier, ah! Alléluia! Il vous donne cette mauvaise nouvelle. Vous prenez, vous manifestez, vous commencez même à crier, alléluia! Or, vous ne ressentez rien. Tiens, ton voisin, vous ne ressentez rien. Tu ne ressens rien, on te dit que tu es malade, tu vas mourir et tu commences à crier. Parce qu'un médecin te dit ça, un homme naturel qui va partir, qui va disparaître. Okay. Dieu te dit cet après-midi que tu vas venir et tu ne bouges pas. Est-ce que quelqu'un m'entend?
frustré. On t'apporte une nouvelle, tu cries, tu pleures, tu hurles. Alors que tu n'as rien ressenti, tu n'as rien vu. Tu es en contact avec la parole de Dieu constamment. Dieu dit, je vous ai béni. Vous êtes béni de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi tu ne fonctionnes pas comme ça? Pourquoi tu ne réagis pas? Alléluia. Mais réagis. Il y a quelqu'un qui réagit. Il y a quelqu'un qui bouge. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est créatrice d'une chose. Que tous les hommes soient menteurs. Qu'ils soient seuls justes. Je dis que tout soit déclaré comme menteur. Qu'ils soient seuls déclarés justes. Alléluia. Quand Dieu parle, la Bible dit que ce qu'il annonce s'accomplit. Lorsque le médecin parle, le médecin est dans la confusion. Parce que la Bible dit que les hommes, de toute manière, passeront. Les générations passent, mais ils restent les mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que sa parole, elle ne change pas. Elle est puissante pour renverser les situations. Elle est puissante pour changer les choses. C'est la parole de Dieu. Pourquoi veux-tu ressentir les choses? Pourquoi veux-tu voir les choses? Tu dois simplement accepter. Tu dois simplement croire. Pourquoi avec le médecin tu réagis, avec Dieu tu ne réagis pas? Mais tu as une alliance avec qui? Avec le médecin ou avec Dieu? Tu as une alliance avec qui? Avec ton voisin ou avec Dieu? Tu as une alliance avec qui? Avec le professeur de ton enfant ou avec Dieu? Si j'ai une alliance avec Dieu, alors je considère ce qu'il dit. Dites ce que vous voulez. Déclarez ce que vous voulez. Mon regard est porté sur Dieu. Mon regard est porté sur ce qu'il a dit. Je m'enracine sur ce qu'il a dit. Pensée, sentiment, volonté. Et sa parole me dit qu'il m'amène de gloire en gloire. D'excellence en excellence. De faveur en faveur. De grâce en grâce. Sa parole déclare ces choses-là. Et je crois ces choses, même si je ne vois pas encore la gloire, mais je sais qu'il a dit, je sais qu'il a parlé, et ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Maîtrise tes pensées. Maîtrise tes pensées. Construis tes pensées. Accède à un niveau supérieur. Dieu a la parole. La Bible dit qu'il est la parole de vie. Tu crois trop, médecin, tu crois trop en ta situation. Tu crois trop à tes paroles qui ne sont pas encore converties. Tu dois maintenant commencer à croire en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham, Dieu lui parle. Il dit non, j'ai un autre héritier, c'est mon domestique. Lui il vivra, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu l'avait déjà fait sortir de chez lui. Il avait déjà fait sortir de son pays et il le reparle. Dieu te reparle ce soir. Il te reparle cet après-midi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a parlé à Abraham. Abraham ne voulait pas croire. Or, c'était la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui a créé le corps de chaque être humain. La Bible dit qu'il tient le monde entre ses mains. Donc si Dieu dit tu auras un enfant, tu l'auras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu dit tu vas avancer, tu vas avancer. Si Dieu dit qu'il va t'amener de grâce en grâce, il va le faire. Parce qu'il est le Dieu puissant. Alléluia. Abraham, écoute ce que Dieu te dit. Mentalité affectée. Pensée négative. Je ressens, je sens, je ne vois rien. Parce que je sens, je ressens, je ne vois rien, je n'aurai rien. Mais qui t'a dit ça? La foi n'a rien à voir avec ce qu'on voit. La foi a à voir avec ce que Dieu dit. La foi, c'est pas. La foi ne consiste pas à croire parce qu'on a. La foi nous conduit à voir à ce qu'il a. Alléluia. Nous regardons à ce qu'il a. Alors nous avons. Parce que nous avons une alliance avec lui. Alléluia. Toi, tu vas avoir la foi, mais tu regardes à ce que tu as. Mais en réalité, tu dois regarder à lui et tu as une alliance à lui. Et parce que tu regardes à lui, alors tu auras. Alléluia. C'est ça la foi. Ça consiste à regarder à ce qu'il a. Alléluia. Et comme nous avons une alliance avec lui, il dit, regardez ce que j'ai et croyez. À partir de là, vous l'aurez. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Nos pensées négatives, nos pensées arrêtées, changent. Maîtrise tes pensées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il y a trois choses qui nous amènent, qui amènent les pensées à être négatives. Il y a trois grands piliers. La chair, l'ennemi, alléluia, et les expériences du passé, alléluia, alléluia, et les blessures du passé. Ces choses-là influencent les 85%, amen. La chair est la nature spirituelle que l'homme a reçu en héritage lorsqu'il est venu au monde à cause du péché. La chair, la Bible nous dit dans Galates que la chair a constamment le désir de nous orienter loin de Dieu. Alléluia. Et la chair, elle est en nous. Il faut la maîtriser. Mais cette influence-là va constamment conduire l'homme à regarder les choses négatives. La chair ne regarde pas comme Dieu regarde. Voilà pourquoi lorsque tu regardes une situation, fais attention. Alléluia. Parce que ta chair te conduira toujours à regarder la situation pas comme Dieu veut. Amen. Il y a les blessures du passé. Beaucoup sont emprisonnés parce qu'ils sont blessés. Et les blessures du passé les conduisent à voir constamment des paroles négatives. Combien de personnes ont des forteresses dans leur pensée? Combien de personnes n'arrivent pas à regarder l'avenir? Combien de personnes n'arrivent pas à regarder le futur? Parce qu'à un moment donné, ils ont été blessés, on les a laissés, on les a abandonnés, on les a rejetés. On leur a dit qu'ils étaient mauvais. Combien de personnes? Combien de personnes, à cause de leur échec, constamment regardent avec une vision d'échec? Les blessures du passé amènent une personne constamment à s'approprier les choses négatives. Alléluia. Alléluia. Des fois, il est important aussi de pouvoir assainir son environnement. Parce qu'il y a des fois des environnements qui vont polluer notre manière de penser. Il y a des gens qui pensent mal, bien-aimés. Il y a des gens qui sont constamment négatifs. Il y a des gens qui vous emmèneront tout le temps vers le bas. Il y a des gens qui vous diront jamais vous pourrez arriver. Il y a des gens qui vous mettront toujours au sol. Ces types de personnes, il faut leur dire écoute, je t'aime bien, mais ciao. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont dire moi j'arrête avec toi. Ou dès que la personne parle, écoute, j'ai quelque chose à faire. Dès que la personne commence à parler, écoute, ok, mais tu sais quoi, j'ai pas le temps. Amen. Dès que la personne commence à parler, prends ton téléphone, appelle quelqu'un. Alléluia. Écoute, j'ai pas le temps là, il faut que j'appelle quelqu'un. Amen. Et là, tu appelles quelqu'un de loin. Quelqu'un qui est inspiré. Quelqu'un qui regarde les choses d'une manière excellente. Quelqu'un qui a une perception selon réellement Dieu, tu commences à avancer. Parce qu'en restant en contact de ces personnes, je t'assure, tu n'avanceras pas et tu verras les autres avancer. Or, Dieu veut que nous puissions avancer. Alléluia. Dieu a un plan générique pour nous. Il ne voit personne derrière. Il voit tout le monde devant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le seul derrière, c'est le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Dieu nous voit tous devant. Dieu nous voit tous devant. Donc, quand tu es trop en contact avec des gens, comment veux-tu parler? Comment veux-tu penser la pensée de Dieu? Tout le temps dans la bassesse, tout le temps dans la médisance, tout le temps dans le mépris, tout le temps dans la négativité. Alléluia, comment tu veux avancer? Tu ne pourras pas avancer. Il faut couper les liens. Il y a des lobes qu'il faut laisser sur le chemin de notre destinée. Il faut leur dire, tu t'arrêtes là, moi je m'en vais. Il y a un environnement, des fois il faut stopper. Les gens vous maintiennent vers le bas, vous maintiennent vers le bas. Alléluia. L'environnement, il faut arrêter avec certaines personnes pour commencer à progresser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le résultat de tes pensées, c'est lié à ton environnement. Les résultats de tes pensées, c'est associé aux gens qui parlent négativement. Les résultats de ta pensée négative, c'est ta chair. Tu dois la maîtriser. Tu dois contrôler ça. Alléluia. Et la seconde chose, dans ces trois piliers, c'est l'ennemi. Dis à ton voisin, l'ennemi. Je vais vous démontrer pourquoi il est important pour nous de maîtriser et de construire nos pensées. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible dit ceci, dans Éphésiens 2, verset 3. La Bible dit, notre comportement à nous tous nous est dicté par nos instincts et notre passion. Nous nous laissons aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. C'est une version française courante. Tout ce que je désirais, nos pensées, notre imagination corrompue, nous l'exécutons. Car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre être humain et de nos sens aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et un peu plus haut dans Éphésiens
au verset 2, la Bible dit « En effet, vous obéissez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle. » Alléluia. La Bible révèle au travers de ce texte-là que l'ennemi, souvent, contrôle nos pensées. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit au verset 5 même, au verset 8, 4. « Notre arme de guerre ne sont pas simplement humains, mais elles tiennent leur puissance de Dieu. » Dis à ton voisin, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire. La Bible dira au verset 5, « Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la vérité, la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnier toute pensée rebelle. » Dis « toute pensée rebelle ». Là, la Bible nous parle ici d'un combat d'ordre spirituel. Paul dit « Nous renversons les mentalités, les pensées rebelles ». Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont rebelles. Il y a des pensées qui peuvent nous animer, mais qui ne trouvent pas leur source dans le domaine naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et Éphésiens 2 nous parle aussi ça. Il dit on était dicté, nos pensées étaient influencées par le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui sont négatives, mais qui trouvent leur source dans le domaine spirituel. Dans les 85%, il y a la chair, il y a les blessures, mais il y a une dimension qui est d'ordre spirituel. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi Romains 12 dira ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Alléluia. Il dira même ceci, j'aime la version que j'ai. Romains 12 dira, adoptez une attitude intérieure différente de votre... Non, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. J'aime cette version. Il y donnait à vos pensées une nouvelle orientation. Dis à ton voisin, une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Il ne vous conformez pas au siècle présent. Il est important que votre pensée change. Les pensées, le terrain de bataille par excellence de l'ennemi. Il veut contrôler pour assujettir les gens, pour maîtriser, pour soumettre. Combien de personnes ont du potentiel, mais parce que leurs pensées affectées n'arrivent pas à identifier ce potentiel-là. C'est un terrain qu'il veut conquérir et tu dois le maîtriser. Tu dois le maîtriser. La plus grande prison n'est pas géographique, mais elle est mentale. Je dis, la plus grande prison n'est pas géographique, mais elle est mentale. Vous pouvez avoir des biens, tout ce que vous voulez, être prisonnier dans vos pensées. Et vous pouvez être prisonnier et libre. Alléluia. Celui qui est libre dans ses pensées vit réellement la liberté. Alléluia. Souvent, on parle d'une société où nous pouvons opérer librement, liberté d'expression. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, on voit que nous ne sommes pas libres de nos expressions parce que le diable nous contrôle. Oh, et notre expression est influencée par une source spirituelle. Liberté d'expression, mais la réalité, il y a des choses que tu ne contrôles pas, qui te dominent. Il y a des attitudes que tu manifestes, tu ne sais pas pourquoi tu manifestes. Il y a une vision que tu ne sais pas pourquoi tu as cette vision. Oh, on dit liberté d'expression. Non, tu n'es pas libre. Tu as besoin d'asseoir la parole invisible de Dieu pour opérer dans la liberté. La plus grande prison se trouve ici. La plus grande prison se trouve ici. Les limitations se trouvent ici. Si tu sais conquérir cette mentalité-là, tu pourras avancer, accéder à un niveau supérieur. Alléluia! Les gens sont dépressifs, les gens sont complexés, les gens veulent se suicider. Des fois pour rien, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ce sentiment. On ne sait pas pourquoi. Or, c'est une pensée qui est associée à un sentiment qui amène une personne à être au sol. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit ceci dans Éphésiens 3, verset 20. La Bible dit que notre Dieu est capable de faire au-delà de notre pensée et imagination. Dis à ton voisin, au-delà de la pensée et l'imagination.
Tu es capable de faire au-delà de nos pensées, de notre imagination. Tu dois comprendre quelque chose, que la bataille se trouve dans les pensées. Parce que si tes pensées ne sont pas libres, Dieu ne peut pas agir, parce que Dieu agit en fonction de tes pensées, de ton imagination. La Bible dit que Dieu fait au-delà de nos pensées et de notre imagination. Mais si on n'arrive pas à penser, comment Dieu peut étendre sa main? Voilà pourquoi l'aspiration du diable, c'est de contrôler ses pensées. Parce que si on ne pense pas selon la vision de Dieu, Dieu ne peut pas nous amener au-delà. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. C'est une plateforme qu'il faut conquérir. C'est une plateforme qu'il faut maîtriser pour enclencher l'action de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi Paul dit Dieu fait au-delà de nos pensées et de notre imagination. Ta pensée doit être en conformité avec Dieu pour que Dieu aille plus loin avec toi. Mais si cette pensée est maîtrisée, il est difficile à Dieu de t'amener plus loin. Il est difficile à Dieu de t'amener plus loin si tu ne maîtrises pas tes pensées, parce qu'il va utiliser tes pensées et ton imagination pour t'amener plus loin. Voilà pourquoi ces 60 000 pensées, ne les laisse pas divaguer n'importe où. Ne les laisse pas aller n'importe où, tu dois maîtriser. Les 85% doivent se changer en 85% de choses excellentes. Parce que Dieu va s'appuyer sur tes pensées, sur ton imagination pour t'amener plus loin. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? C'est un terrain qu'il faut conquérir. C'est un terrain qu'il faut gagner. Ma femme me disait une chose, il y a une voyante qui l'a appelée. Et cette voyante a commencé à lui dire que la fin de la semaine, elle allait avoir un grand malheur. D'abord, elle a commencé à dire, j'ai quelque chose pour vous, pour votre avenir. Ma femme dit, je n'ai pas besoin d'avoir des informations. Je connais mon avenir. Il est béni. Est-ce que quelqu'un me sait? Alléluia, il est béni en Christ. Et la femme a insisté, elle a dit, non, il faut, c'est un voyant, il est très fort. Il y a quelque chose de compliqué. Ma femme a commencé à dire, à parler de Dieu, et elle a commencé à dire aussi, la voyante, qu'elle était aussi un peu de Dieu, qu'elle aimait Dieu. Elle a insisté, elle dit, non, non, non. Ma femme dit, oh, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et lorsqu'elle a changé le ton, cette femme, cette voyante, elle a raccroché. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? J'ai dit, la voyante a raccroché. Vous savez pourquoi elle a raccroché? Parce que ma femme l'a menacée. Il y a des pensées qui ont besoin d'être menacées à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Tu as agressé dans les pensées, il faut menacer ces pensées pour que ces pensées puissent arrêter. Elle a raccroché. Je crois que j'ai dit à ma femme, poursuis-la. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Poursuis. Continue à enseigner. Continue à parler. Alléluia. Tu poursuis. Poursuis, c'est déclarer. Alléluia. Satan vient avec des choses bizarres. Tu dis non seulement au nom de Jésus, mais quand tu commences à lui dire qui tu es, tu commences à lui dire là où tu vas aller, tu commences à lui dire comment Dieu va te conduire à progresser. Tu agresses. Alléluia. Tu agresses tes pensées d'une manière surnaturelle. Tu ne raccroches pas là simplement, mais tu lui révèles exactement là où tu vas avec Dieu, là où tu vas dans ta famille, là où tu vas dans ta santé, là où tu vas dans ton travail, là où tu vas dans tes projets. Tu l'agresses. Tu dis non, je vais avancer, je vais progresser à cause de ce que la parole de Dieu me dit. Le diable, il a loin de vous, la Bible dit, il fuira. Il fuira loin de vous. Voilà pourquoi la Bible résiste à lui fermement. Alléluia par la foi et il fuira. Non seulement tu entends, tu pars et tu l'agresses par les déclarations de ce que tu es. Est-ce que les chrétiens vous m'entendez? Alléluia. 2017 c'est pour toi. 2017 c'est pour ta famille. 2017 c'est pour les projets que tu as. 2017 sera une année excellente. Alléluia, c'est une année excellente. C'est la parole de Dieu. Si tu ne veux pas croire, tant pis pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a compris, qui prend cette parole. Et je crois que Dieu va la donner de gloire en gloire. Parce que ce que je suis, c'est le mystère, la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci dans Ésaïe. Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente, déploie-toi, change ta pensée, élargis l'espace de ta tente. Ouvre, tu vas à tes tentes de droite à gauche, tu dois élargir l'espace de ta tente. Maintenant, tu dois changer tes pensées, tu dois maintenant élargir, laisser les pensées de Dieu, laisser les pensées de Dieu, élargir l'espace de ta tente. La Bible dit ceci, dans Genèse 15 que nous avons lu, Dieu a parlé à
Et il lui a dit, maintenant sors de ta tente. La Bible dit qu'il est sorti de sa tente. Et il lui a dit de regarder, tu dois sortir de ta tente. Tu dois commencer à élargir tes pensées pour laisser les pensées de Dieu s'établir. Alléluia. L'une des premières clés pour construire notre mentalité, le premier niveau de construction, c'est la sélection de la parole. La première construction, le premier élément qui nous permet de maîtriser, c'est de sélectionner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez-moi. Regardez dans cette salle. Essayez de focaliser tous les éléments de couleur noire maintenant. Regardez, à droite, à gauche. Vous regardez juste devant. Amen. Regardez juste devant. Les objets noirs, vous les avez vus? Fermez les yeux maintenant. Tous fermez les yeux. Est-ce que quelqu'un peut me dire exactement combien il y a d'objets noirs dans la salle? Est-ce qu'il y en a plus de 5? D'accord. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a... Est-ce qu'il y a un objet violet? Non, fermez les yeux. Restez fermés les yeux. Est-ce qu'il y a un objet violet dans la salle? Fermez les yeux. Est-ce qu'il y a un objet rouge dans la salle? Fermez. Est-ce qu'il y a... Il y en a combien? Tu es sûr? Tu es sûr? Non, ouvrez pas les yeux. Est-ce qu'il y a un objet vert dans la salle? Combien? Un, quelqu'un dit un, je vais rester là, ouvrez les yeux. Quelqu'un dit trois après, mais trop tard, vous pouvez ouvrir les yeux. Alléluia, en réalité, déjà la veste de ma femme est rouge, le piano est rouge. Et il y a deux plantes vertes. En fait, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que lorsqu'on oriente les gens vers une pensée, ils font abstraction du reste. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir 40 000 objets jaunes, tu n'allais pas le voir, la pensée était conditionnée à regarder ce qui était noir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est sélectionner les paroles. Alléluia. Et vous pouvez vous conditionner à vous approprier ce qui est de Dieu. Quelqu'un veut vous dire que vous n'allez pas réussir, mais en réalité, vous n'êtes pas programmé à accepter cette parole. Alléluia. Vous n'êtes pas programmé à accepter cette... Donc les gens peuvent vous dire ça, mais c'est bizarre. Vous n'arrivez pas à retenir ça. Parce que vous avez commencé à augmenter, vous savez qu'il faut. Il y a des choses que vous pouvez sélectionner, d'autres, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lorsqu'on fait ce genre d'exercice, les gens sont tout de suite focalisés vers le noir. Et si on demande quelque chose d'autre, ils ne voient rien. Si je vous dis que vous êtes béni, pourquoi vous avez peur? Si je vous dis que vous allez vous marier, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Si je vous dis que Dieu va vous amener de gloire en gloire, pourquoi vous allez douter? Sélectionnez ça. Faites abstraction du reste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Le premier niveau, c'est la sélection de la parole. Il y a trois types de paroles. Il y a les bonnes paroles, il y a la parole de l'ennemi, et il y a les paroles ouintes. Les bonnes paroles, c'est ce que les gens appellent la pensée positive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La pensée positive, la Bible dit... Que tout ce qui est bon, honorable, vertueux soit l'objet de votre pensée. Dieu n'est pas en désaccord avec ça, mais nous ne pensons pas d'une manière positive. Nous, notre foi se repose sur des réalités. Alléluia, sur les promesses de Dieu. Alléluia, lorsque je suis devant une montagne, je ne me persuade pas forcément que je vais remporter la victoire. Je le sais parce que la Bible me dit que je suis plus que vainqueur. Je m'appuie sur la parole de Dieu et je renverse cette montagne parce que la parole de Dieu le déclare. Je sélectionne cette parole. Ce n'est pas de l'imagination ou simplement une pensée positive. Non, je crois ça. Pourquoi? Dieu me l'a dit. Je crois ça. Pourquoi? Sa parole est la vérité. Je crois ça. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avoir des bonnes paroles, ce n'est pas mauvais. Mais les bonnes paroles, c'est-à-dire les paroles qui ne sont pas peut-être inspirées de Dieu, qui sont bonnes, elles ne durent qu'un temps. Elles ne durent qu'un temps. Tu peux penser positivement. Ça peut t'aider à un moment donné, mais c'est un concept qui a des défaillances. Parce que Dieu soutient sa parole et c'est sa parole qui demeure. Alléluia. Donc,
Les bonnes paroles, c'est pas mauvais. Mais nous, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la première chose, bien-aimé, c'est de sélectionner les paroles. Vous savez, j'ai vu quelque chose. Le premier combat que Mike Tyson a combattu, a perdu plutôt. Vous connaissez Mike Tyson, un grand champion. La Bible dit qu'il, enfin, l'histoire dit qu'il va rencontrer un jeune homme du nom de Douglas. Je suis un premier, j'ai 85% de parole. Excusez-moi, alléluia. J'ai 85% de la parole. Donc, des fois, alléluia. Et donc, ce jeune homme devait combattre un champion du monde qui n'avait jamais perdu. Il remportait cette victoire tout le temps. À partir du deuxième round, les gens étaient KO. Et ce boxeur-là, sa mère était en train de dire à tout le monde que son fils allait battre Mike Tyson. Les gens rigolaient. Elle disait à tout le monde, en tout cas, mon fils, Douglas, va battre Mike Tyson. Mike Tyson rigolait, l'environnement rigolait, tout le monde était en train de rigoler parce qu'il n'avait jamais perdu. C'était une montagne. Je suis en train de parler peut-être d'une de tes montagnes. Alléluia. Il ne perdait jamais Mike Tyson. Vous avez vu comment il est terrassé. Un coup, KO. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y avait le combat qui était prévu. La maman disait à tout le monde, journaliste, PPDA, Claire Chazal. Journaliste, elle répondait partout. Oui. Canal Plus. Alléluia. Elle répondait l'évangile. Elle répondait, elle disait, il va gagner, il va gagner, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Mais Mike Tyson n'avait jamais perdu. Une semaine, le combat commence. Une semaine avant que le combat commence, sa mère meurt. Waouh. Elle meurt. Le boxeur rentre dans le ring. Disparaît contre Mike Tyson. Mike Tyson donne un coup de poing. Il tombe au sol. D'habitude, il terrassait les gens en dos. Il se relève. On le cogne encore. Il saigne. Il se relève. Premier round. Il est encore là. Deuxième round. Mike Tyson commence à accentuer. Droite, gauche. Il tombe. Troisième round. Mike Tyson commence à être fatigué. Parce qu'en fait, il n'avait pas d'endurance. Alléluia. Il n'avait pas d'endurance. Et les gens ne savaient pas ça avant lui. Et il a commencé. Et il a commencé à combattre. Il commence à combattre. Il commence jusqu'à pas battre Mike Tyson. Mike Tyson va tomber. Première défaite. Première défaite. Première défaite. Vous savez pourquoi cette personne a gagné? Parce qu'il avait sélectionné la parole de sa mère. Et quand sa mère était morte, il ne pouvait pas perdre ce combat. Est-ce que quelqu'un, il ne pouvait pas perdre ce combat? Alors il va gagner. Il va battre Mike Tyson. Vous devez sélectionner les paroles. Et vous êtes prêts. Maman a dit, on lui donne un coup, il est au sol. Maman a dit, il lui donne un coup, il relève. Maman a dit, on lui donne un autre coup, il se relève. Maman a dit, on lui donne un autre coup, il se relève. Il dit, maman a dit, il revient tout le temps, il est au sol. Il dit, maman a dit. Et je vais te dire une chose, Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un reçoit
quelque chose. Je suis en train de voir tes pensées. Je suis en train de voir que la tendance est en train de changer. Les 85% commencent à disparaître. Je suis en train de voir un changement. Je suis en train de voir un changement. Ce n'est plus 85. On est maintenant à 40. On est maintenant à 40. On est à 40 pour les mieux, on a 60 pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Papa a dit, et j'ai sélectionné la parole de papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le deuxième niveau, la deuxième clé. En réalité, Dieu dit quelque chose à Habakkuk. Dans Habakkuk, Dieu dit ceci. Il dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, alléluia. Il dit si la prophétie tarde, alléluia. Mais Dieu dit d'abord quelque chose. Il dit, écris-la, grave-la. Alléluia. Je donne une orientation à Habakkuk qui lui dit en fait, tu sais Habakkuk, si tu commences à lire, si tu commences à regarder ce que je te dis, les choses vont changer. Les choses vont changer. J'aimerais vous parler d'Abraham. Est-ce que je peux vous parler d'Abraham? Alléluia. Est-ce que je peux vous parler du Père dans la foi? Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu dit là à Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles. Il dit sors de ta tente et regarde les étoiles parce que ta postérité sera semblable à ces étoiles. Alléluia. Alléluia. Les étoiles, c'est la vision de la hauteur. Amen. La Bible nous parle d'une certaine étoile qui va marcher dans la... qui va amener les rois mages à vivre l'excellence. Il n'y avait qu'une étoile. Alléluia. Mais Abraham, il y avait plusieurs étoiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit ceci. Regarde. Parce que je te bénirai comme les étoiles du ciel. Il n'y avait pas une étoile, il y avait plusieurs étoiles. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Dieu veut que chaque soir, Abraham puisse méditer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu crée un système. Parce qu'en réalité, Abraham a une grande promesse. En vérité, Dieu a une grande promesse dans ta vie. Et il a besoin que tu mettes des stratégies pour méditer sa parole. Alors il dit, Abraham, je ne le laisserai pas comme ça. Regarde les étoiles du ciel. À chaque fois que c'était le soir, Abraham regardait les étoiles du ciel. Il se souvenait de la promesse. Il se souvenait là. Est-ce que quelqu'un m'entend? À chaque fois, Abraham regardait en haut. Il disait, oh ma descendance, oh ma famille, oh mon foyer, oh ma santé, oh mon mariage, oh mon ministère. Il regardait au ciel. En fait, la parole de Dieu était gravée au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Voilà pourquoi Dieu dit dans Josué, médite ce livre de la loi nuit. Alléluia, nuit et jour. Alléluia. Et Dieu utilise le même principe avec Abraham. Il lui dit, regarde le ciel. Et Abraham, imaginez, lorsqu'il était fatigué, lorsque c'était la nuit. En plus, il fait ça la nuit, vous savez, parce que la nuit, c'est l'image des ténèbres, de la difficulté, l'absence de connaissance. Il dit, même s'il fait nuit, regarde, il y a ma parole. Même s'il fait nuit, j'ai une promesse pour toi. Même s'il fait nuit, j'ai dit des choses pour toi. Même si je nuit, j'ai déclaré des choses. J'ai déclaré des choses sur ta vie. Alors Abraham, lorsqu'il était fatigué, il regardait le ciel. Et il était fortifié à l'intérieur de lui. Il regardait le ciel et il lisait la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, nous l'avons. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons la déclarer. Aujourd'hui, nous pouvons la lire. Aujourd'hui, nous pouvons la lire, nous pouvons la déclarer. Abraham, il a lisé. Alléluia. Dieu a dit oui, j'ai une grande promesse pour lui. Mais je ne peux pas travailler avec lui simplement le soir. Alors, je vais lui dire contre les poussières qu'il y a au sol, parce que ta postérité sera semblable. Alléluia. Parce que des fois, lorsqu'il fait jour, il n'y a pas le soleil, mais il y a le sable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu utilise le sable encore pour amener Abraham à être constamment dans une attitude de méditation en fonction des promesses que Dieu a déclarées dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le soir, il regardait les étoiles. La journée, il regardait le sable. Et il était fortifié dans son esprit. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il savait que Dieu allait accomplir le pourquoi il avait été créé. Et il marchait. Vous savez, le sable, vous l'avez tout le temps.
En fait, à chaque pas qu'il faisait, il voyait sa promesse. Chaque pas était l'avancement vers ce que Dieu lui avait déclaré. Lorsqu'il regardait la poussière du sol, oh, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Il dit à Abraham, je sais que tu as des défaillances. Je vais te donner deux stratégies pour que tu restes connecté. Le soir, regarde, lis ma parole. La journée, marche. Marche. Et chaque pas, tu vas voir cette poussière. Mais chaque poussière est liée à la promesse que je t'ai faite. En fait, je ne te laisserai jamais. Je suis avec toi. Bien-aimé, si tu sais t'approprier la parole de Dieu, si tu sais la lire, nuit et jour, le nuit, tu la médites. Le matin, tu la médites. Tu changeras tes pensées et tu permettras à ce que Dieu te donne de rentrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Maîtrise tes pensées, construis tes pensées, sélectionne tes pensées. Laisse-toi imprimer de la parole de Dieu. Abraham a regardé les étoiles. Il a regardé le sable, la poussière. Allez dans un endroit où il n'y a pas de poussière. Venez voir. Les poussières sont quelque part, ce sont nos cousins. Parce que nous avons été créés avec ça. Alléluia. Il n'y a aucun endroit où il y a une absence de poussière. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois avoir la parole de Dieu. N'importe où tu vas, tu dois avoir la parole de Dieu. Reste focalisé sur ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais déclarer sur ta vie 2017 sera une année exceptionnelle. Je vais déclarer sur ta vie que tu avanceras, ta famille avancera, tu vivras la grâce, les faveurs de Dieu. Ce que Dieu a déclaré, il accomplira. N'aie pas à regarder au pied, ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans le doute. Sélectionne la parole de ton papa, sélectionne la parole du Père et regarde focalisé sur la parole de Dieu et regarde la puissance. Les étoiles sont là pour t'éclairer. La poussière est là pour te dire que ton Dieu est vivant. Et ce qu'il a dit, il accomplira. Quel que soit où tu es, Dieu accomplira sa parole. Je crois que nous sommes passés à 20%. Je crois que nous sommes passés à 10%. Je crois que nous sommes passés à 100%. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Commence à déclarer, commence à prier, descendre, dépose échange, maïa, maïa, maïa.
ma vie. Je me relève de ma situation. Je me relève de mes blessures. Je me relève. Je marche dans le silence. Je marche. Je fais de l'espoir. Il m'a dit. Il a déclaré. Je ne retourne pas dans cette situation. Aujourd'hui, Dieu me donne par la déclaration de rentrer dans ce qu'il a planifié. Mes pensées changent. Je maîtrise mes pensées. Je maîtrise ma destinée. Mon attitude est influencée par mes pensées. J'opère dans les hauteurs. J'accède à un niveau supérieur. J'accède à un niveau d'excellence. Le diable ne va pas me guérir. Ne guéris pas de mes pensées. Tu es plus au-delà de mes pensées, de mon imagination. Je pars à ce bienfait. Je pars à cette promesse. Et je crois que Dieu m'a conduit dans la gloire. Ma pensée est changée, fini les pensées négatives, fini les pensées de limitation, fini le croire que je ne peux pas, fini le croire qu'il n'y a que les autres qui avancent, il n'y a que les autres qui progressent, il n'y a que les familles, les gens, il n'y a que là, c'est terminé, Dieu a une promesse pour moi, et mon regard est focalisé vers cette promesse. Père, tu dis dans ta parole que nous sommes bénis de la promesse que tu as donnée à Abraham. Voilà pourquoi dans cet endroit, oh, je vous ai dit, c'est une réunion de gloire, et la gloire est là ici. Il y a une présence ici. L'onction de Dieu est là. L'action de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Il y a la présence de Dieu. Dieu, sa main est ici. Sa main est prête à intervenir. Sa main est prête à toucher. Il y a de l'abondance grâce dans cet endroit. Il a ouvert la porte pour que nous puissions rentrer dans cette vie d'abondance. Il a ouvert cette porte. Et je vois cette porte cet après-midi dans cet endroit. Et il y a une grâce, un mouvement de gloire dans ces lieux. Oh, oh. Et un Dieu sans de sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant.
comme Abraham. Donne-nous de méditer ta parole nuit et jour, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous changeons nos pensées. Nous déclarons éternel que nos pensées deviennent une plateforme dans laquelle tu te poses pour nous amener vers les hauteurs, vers un niveau supérieur. Nous déclarons et proclamons éternel que nos pensées deviennent une piste d'atterrissage. Éternel, tu atterris